Saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, bienvenue à tous les nôtres qui sont ici présents. Il y en a ceux-là qui nous ont rejoints. Il y a le frère Daniel Moulango avec toute sa famille. Il est là, ils vont s'élever. Nous les accueillons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Dani. Voilà. Sœur Germaine aussi est là. Elle va s'élever. Oh, elle est là. Frère Joël, d'Atlanta, et elle est là. La sœur Lydie n'était pas là hier, et notre sœur Anna de l'Angleterre, ils sont là. Et notre fille, levez-vous, nous vous accueillons aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a aussi notre frère Alain Mbachi, qui nous a rejoint avec toute sa famille aussi. Levez-vous, nous vous accueillons. Ah, que Dieu vous bénisse depuis Denver. Frère Nico et toute sa famille aussi. La sœur Adèle est là. Et les enfants. Ah là, ils sont là. Que Seigneur vous bénisse richement depuis le Canada. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, hein? Oh, frère Clément. Le frère Clément et la sœur. La sœur est là. Levez-vous, nous accueillons aussi. Voilà, Frère Clément, depuis Atlanta, nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons accueilli notre frère Fiacre, le frère Glody qui sont venus de Houston. Il y a encore que j'ai oublié. Il y a nos bien-aimés qui sont venus hier de Chartres. Levez-vous, nos bien-aimés frères et sœurs de Chartres. Levez-vous tous, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, levez-vous. Oui, les enfants hésitent. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Sœur Vanessa, lève-toi aussi. Tous ces Roissy qui sont venus après, levez-vous. Nous vous accueillons. Ah, ma cousine est là. Sœur Stéphie, bon, de Kinshasa peut-être. De Lupin, ouais. Sœur Stéphie de Lupin va s'élever aussi. Nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu la bénisse richement. Est-ce que j'ai oublié encore quelqu'un? Frère Silvio Nyanga et toute sa famille. Il est là depuis Iowa. De l'autre côté, nous les accueillons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai oublié quelqu'un, rappelez-moi. Ok. Voilà. Beaucoup de salutations, nous allons les lire après. Et tous les nôtres qui ne peuvent parler que l'anglais, ou peut-être le lingala, et vous pouvez lever votre main, il y a les écouteurs, ou vous pouvez suivre tous les services en anglais. Je ne sais pas s'il y a les portugais aussi, mais sinon, ceux qui nous suivent en ligne, on peut aussi suivre en portugais. Que le nom du Seigneur soit loué. Tout cela est fait pour qu'aucun de nous ne puisse manquer la parole. Que chacun de nous reçoive ce que le Seigneur lui-même a préparé pour nous. Nous l'avons déjà chanté dans ce cantique d'anglais. Et au milieu de nous, il n'y a qu'un seul qui est grand. Et ce n'est pas moi, ni les frères Moïse ou tous ces hommes de Dieu. Non, c'est lui seul, Jésus-Christ. C'est lui qui mérite toute notre adoration. Jean-Baptiste disait dans Jean 3, verset 29, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Ce n'est pas l'ami de l'époux. Pour dire l'ami de l'époux n'a pas le droit de lui donner sa propre sémence. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Le travail de l'ami de l'époux, c'est peindre l'époux afin que le cœur de l'épouse soit attaché à l'époux. C'est ça le but. Amen. C'est ça la finalité. Les hommes de Dieu doivent attacher les enfants de Dieu à Dieu. Comme ça, qu'ils soient là ou pas, la marche continuera.
Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Pourquoi les esprits arrogants ne peuvent jamais venir de Dieu? Là où vous voyez l'orgueil entrer, c'est que Dieu a déjà abandonné. Que Dieu vous bénisse tous. Ancient World, on va chanter ce cantique. Ancient World. Ce sont là les paroles véritables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. L'évangile éternel. Ancient World. Alléluia. Elle ne change pas. Mais la même parole a le pouvoir de t'échanger et de me changer aussi. Que son nom soit loué. C'est par cette parole véritable que nous pouvons faire face à tout, faire face aux défis de l'heure. C'est par la parole. Rien d'autre que par la parole. Quand l'ennemi vient, il tord le sens, il dit il est écrit, dites-lui il est aussi écrit. Que son nom soit loué. Contemplez mon Dieu sur son trône. C'est quoi le titre? C'est ça le titre? Chantons ce cantique.
d'avoir prié ensemble. 425. 425, fort d'avoir prié ensemble.
son nom soit loué. Nous sommes tous nourris à la même table, n'est-ce pas? Chacun peut apaiser sa faim. Que son nom soit loué. Lèvons-nous, nous allons lire cette écriture. C'était une des écritures choisies pour cette convention. Le Dieu immuable, et soyez certains de lui. Le Dieu qui ne change pas. Et tout ce qui est en lui aussi ne change pas. S'il dit un mot, il est obligé de l'accomplir. Les hommes peuvent changer. Ils te disent A aujourd'hui, demain ils diront B, puis comme ça. Les saisons peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Dieu demeure le même. Alors soyez rassurés quand vous êtes entre ses mains. Nombre chapitre 23. Très bonne écriture, mais nous lirons seulement le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19, l'Écriture dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tout homme soit reconnu comme menteur, qui qu'il soit. Tout homme, seul Dieu est vrai. Amen. Mais que sa parole dans la bouche de son serviteur soit la vérité. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce sont là des questions qui nous sont posées. Si lui ne change pas, en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors il vous dit quelque chose. Pensez-vous qu'il est incapable de l'accomplir? Pensez-vous qu'il y ait quelque chose qui soit étonnant de Dieu? Pensez-vous que Dieu doit dépendre d'un homme pour accomplir sa parole? Non. Dieu peut se passer des hommes. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous pouvons dire, il le fera certainement. Alors soyez certains de lui. Levons tous nos voix et prions au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous sommes reconnaissants. Les instants que tu nous donnes encore de ta présence. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu ne changes pas, tu demeures le même. Réunis tout autour de ton nom, Seigneur, nous nous sommes rassemblés pour écouter ta parole qui demeure le même. Cette parole, tu nous as annoncée en utilisant les voix des hommes et même nous-mêmes, nous voulons aller au-delà des hommes. Et Seigneur, nous fonder simplement sur ce que toi tu as dit. En a la puissance d'accomplir ce que tu as dit. Nous a annoncé tes intentions à cet homme et nous voulons te faire confiance au Seigneur notre Dieu. La divine puissance, pour sa puissance, nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Cette parole que tu as déployée, Seigneur, à ta puissance pour nous parfaire et que ces jours-là nous soyons semblables à toi. Oh Seigneur, c'est aussi toi qui as le pouvoir de nous préserver de toute chute et paraître ces jours-là sans tâche. Oh, ni rien et ni rien de semblable, irrépréhensible devant ta face. Seigneur, nous voulons nous abandonner encore devant toi. Donne-nous ta parole. Nous avons soif de toi. Seigneur, tu as dressé cette table pour nous donner ta parole, Seigneur. Nous avons besoin que toi seul, tu utilises tes instruments afin que tu nous donnes, Seigneur, ce que toi tu as préparé.
répandu en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter mon frère Jean Bosco qui va s'approcher et prier pour l'instant de la parole. Dieu, notre Père céleste, nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Toi qui nous as rassemblés en ces lieux, le Dieu immuable. Oui, alléluia. Parce que nous croyons tes promesses. Voilà pourquoi tu as permis que nous soyons là pour entendre encore de ta bouche les choses qui doivent nous rendre inébranlables dans le temps dans lequel nous sommes arrivés. Déjà ce matin, tu nous as rassurés qu'avec toi, nous atteindrons le but. Tu nous as fait la grâce de demeurer dans ce qui est écrit. Car tu n'accomplis que ce que toi tu as proclamé. Voilà pourquoi déjà nous te disons merci. Seigneur, notre prière, que tu te saisisses de chaque vase. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que celui qui parle, que ce soit comme annonçant tes oracles. Et tes oracles ne sont trouvés que dans les livres de la vérité. Seigneur, dispose les cœurs de tout un chacun. Nous qui sommes là et ceux qui ont Dieu sont connectés en ligne, nous sommes affamés, nous sommes assoiffés, pas des choses de ce monde, et nous sommes assoiffés et affamés de toi et de ta parole. Bénis ces réunions d'une manière particulière. Seigneur, qu'aucun de nous ne retourne à vide. Même si les poids doivent être augmentés dans les avions, Seigneur, que ce que tu fais en nous devienne des réalités visibles. Car tu as dit dans ta parole, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous avons chanté, Seigneur, change-nous, transforme-nous. Selon ton dessein éternel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, afin que toute la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, ces réunions d'une manière particulière. Utilise puissamment tes serviteurs. Seigneur, ton peuple t'a fait confiance, prenant des longues distances, abandonnant toutes leurs occupations pour être là. Tu ne déçois jamais. Amen. Tu es le Dieu immuable. Alléluia. Déjà, depuis hier, nous avons commencé à voir ta main puissante. Oui. Continue à nous bénir. Jusqu'au dernier jour, que la joie soit introduite dans nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Seigneur, là où tu es, les miracles se passent. Alléluia. Tu guéris. Amen. Tu délivres, Amen. Tu sauves, Amen. Tu remplis, Amen. Tu changes, Amen. Tu baptises de feu et de l'Esprit. Amen. Seigneur, rends toutes ces choses réelles en nous. Amen. Nous t'avons prié avec foi, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse tous richement. Nous serons, durant tous ces jours-ci, bien nourris. Le Seigneur lui-même a dressé la table. C'est lui-même qui donne aussi la nourriture. C'est curieux, dans les naturels, tous, nous poursuivons maintenant les organiques. Quand on va dans les supermarchés, on regarde les étiquettes. Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est bio?
Parce qu'on sait que quand on mange quelque chose de bio, c'est bien pour notre santé. Mais soyons exigeants avec la parole. Soyons exigeants. Amen. Même pour la parole, nous voulons manger bio. Une parole sans interprétation. Que l'homme ne puisse pas insérer ses pensées. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Rien que la parole de Dieu. Alors là, nous sommes rassurés que nous arriverons certainement au but. Il a déjà mis tout sur écrit. C'est là. Tout est là. Mais n'esquivez pas la volonté de Dieu. Parce que les hommes veulent toujours contourner. Dieu dit ça et il contourne. C'est ce que Balaam a fait. Il est allé dans la présence de Dieu, il a supplié le Seigneur. Un vrai prophète, cherchant la volonté parfaite de Dieu. Mais quand cette volonté lui est révélée, il contourne. Toujours, il contourne. Il fait des compromis, la politique. Non, Dieu ne change pas sa pensée à l'égard de sa parole. Mais maintenant, le plus grand piège aujourd'hui, c'est ça, Balaam. C'était un véritable prophète. Si vous lisez en avant, c'est la voix du Seigneur qu'il a écoutée. Matthieu 13. C'est peut-être des hommes qu'on a déjà écoutés, qu'ils prêchent la parole. Mais ce matin, nous avons écouté, le croyant doit exercer maintenant le discernement. Très, très important. Sans le discernement, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Matthieu 13. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant des livrets parmi les blés et s'en alla. Les infiltrés, nous l'avons écouté ça. L'ennemi vient toujours introduire les infiltrés. Et le combat le plus dur, c'est le combat de l'intérieur. C'est dur. Parce qu'ils chantent les mêmes cantiques, ils prêchent les mêmes paroles. C'est peut-être des gens avec qui on a marché. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Mais curieusement, l'ivraie n'a pas donné de fruits. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Alors, il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez-le croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier, le grenier céleste. La finalité, chacun ira à son lieu. Mais des fois, entremêlés. C'est pourquoi même la parole doit être prêchée avec beaucoup d'amour. Que Dieu nous aide. Amen. Je loue Dieu pour les hommes de Dieu qu'il nous a envoyés. Et ils sont là pour nous nourrir, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et mon frère Franck Tentoula va s'approcher. Chantons le refrain de ces cantiques. Et le frère Franck Tentoula
s'approchera pour nous apporter la parole. Ancient word, juste les refrains.